Religieux, séminaristes et croyants assistant à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shinchanji, intitulée Témoignages sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Min Su Kim et je serai votre présentateur. La dernière fois, par l'intermédiaire de l'instructeur de la tribu de Barthélemy, nous avons appris la parole de l'accomplissement physique concernant les fils du royaume et ceux qui s'assoient dans le royaume des cieux. La raison pour laquelle Nouveau Ciel Nouvelle Terre, Shinchenji Église de Jésus, peut témoigner du sens et de la vraie réalité des paraboles est tout d'abord que le temps promis est venu et que toutes les paraboles ont été clairement ouvertes et qu'il y a le pasteur promis qui a vu et entendu tous les secrets cachés du royaume des cieux aux côtés de Jésus. Aujourd'hui, j'espère que durant ce temps, vous obtiendrez une précieuse réalisation en vérifiant les paraboles et les paroles de l'accomplissement physique de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, chapitre par chapitre. Alors d'abord, prions avec le même cœur. Dieu notre Père, qui est saint, envers qui nous sommes vraiment reconnaissants, vous nous avez accordé la grâce de ce temps précieux aujourd'hui. Et d'un seul cœur, tous les croyants du monde vous offrent leur sincère remerciement et vous rendre gloire pour nous avoir permis de réaliser la parole de vérité de Dieu. Nous croyons notamment qu'à travers cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shinchenji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, la parole de vérité du Ciel sera donnée à chaque personne dans leur cœur et dans leur esprit. Aidez-nous à comprendre pleinement la volonté de Dieu à travers ces paroles, et aidez-nous à faire selon votre volonté, et à atteindre le royaume des cieux éternels. Maintenant, nous ne devrions plus persécuter ni calomnier, mais devrions devenir un dans la parole de Dieu et entrer dans la volonté de Dieu. À travers ce temps, Père, guidez tous ces esprits afin qu'ils puissent devenir l'accomplissement physique de votre parole. Nous remettons ce temps entre vos mains et nous avons prié dans le saint nom de Jésus. Amen. Il est maintenant temps de témoigner des paraboles et de leur accomplissement physique. Aujourd'hui, nous vous témoignerons de la parole de la leçon numéro 9, les secrets du royaume des cieux, les deux types de semences et la moisson. Lorsque vous écouterez la parole, j'espère que vous ouvrirez grand votre cœur et acquérez une précieuse réalisation. Nous allons accueillir l'instructeur Jin Sang Kim de la tribu de Matthieu pour prêcher la parole aujourd'hui. Bonjour à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui espèrent le royaume des cieux. Je suis Jin Sang Kim, le chef de l'église Jemulpo, de, de la tribu de Matthieu, de nouveau celle nouvelle terre shinchenji église de Jésus. Merci beaucoup de participer aujourd'hui à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shinchenji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. La parole de Dieu que vous allez méditer avec moi aujourd'hui est la leçon numéro 9 du niveau intermédiaire, les secrets du royaume des cieux, les deux types de semences et la moisson. La référence principale est Matthieu chapitre 13 et Apocalypse chapitre 14. Parmi les dirigeants religieux qui écoutent cette conférence, certains connaissent déjà peut-être ce contenu et d'autres non. Mais j'apprécierais si vous pouviez ouvrir grand votre cœur aujourd'hui et écouter attentivement ce que j'expliquerai. Tout d'abord, permettez-moi de présenter brièvement la référence principale de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13 est le chapitre des secrets du royaume des cieux dont Jésus a parlé en parabole. L'époque de son écriture remonte à il y a environ 2000 ans et son transcripteur est Matthieu, un disciple de Jésus. Le contenu clé de Matthieu chapitre 13 et d'Apocalypse chapitre 14 que nous examinerons aujourd'hui contient les prophéties et l'accomplissement concernant l'ensemencement de deux types de semences et la moisson. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus raconte plusieurs paraboles sur les secrets du royaume des cieux. Il a d'abord parlé de la parabole de l'ensemencement au verset 1 à 9, puis a expliqué cette parabole au verset 18 à 23. Jésus a parlé de la parabole du semeur, disant que la semence est tombée le long du chemin, sur un sol pierreux, parmi les épines et sur une bonne terre. Et quand il explique cela, avoir semé signifie que la parole du royaume a été prêchée. Et quand la parole du royaume est semée dans le cœur des hommes qui sont des champs, il dit qu'ils sont divisés en quatre types. Ceux qui sont comme le long du chemin sont ceux qui entendent la parole du royaume des cieux, mais ne la réalisent pas. Un oiseau, le malin, a ôté leur semence, donc ils ne sont pas sauvés. Ceux qui sont comme un champ pierreux sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent avec joie, mais quand surgissent les tribulations et les persécutions, ils abandonnent la parole et trébuchent. Ce sont ceux qui ont perdu contre la persécution qui survient en raison de la parole. Il a également dit que ceux qui sont comme des épines sont ceux qui entendent la parole, mais cette dernière est étouffée par les soucis du monde et la tromperie des richesses. Pour finir, il dit que ceux qui sont comme la bonne terre sont ceux qui ont entendu la parole, l'ont réalisée et portent cent, soixante, trente fois plus de fruits, n'est-ce pas Selon Luc 8, verset 15, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, l'ont gardée et ont porté du fruit avec persévérance. De cette manière, Jésus a parlé en parabole. Résultat, au verset 10 et 11, les disciples demandent à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole Lorsqu'on lui a demandé, Jésus a dit, Il vous a été donné de connaître les secrets du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Il a dit qu'il y a des gens qui doivent réaliser le secret du royaume des cieux, et qu'il y a des gens qui ne devraient pas. En d'autres termes, la raison pour laquelle Jésus a parlé du secret du royaume des cieux en parabole était pour le cacher à Satan et à ses membres qui ne devraient pas réaliser le secret du royaume des cieux. Et comme au verset 34 et 35, Dieu qui a prophétisé qu'il parlerait en parabole, dans le psaume 78, est venu à Jésus et a parlé en parabole pour accomplir les paroles qu'il a dites aux prophètes de l'Ancien Testament. Par conséquent, je prie pour que tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui écoutent la parole du royaume des cieux dont nous témoignons aujourd'hui, réalisent le vrai sens de la parole révélée concernant les deux types de semences et la moisson, le secret du royaume des cieux caché par Jésus en parabole, et deviennent tous le peuple du royaume des cieux en tant que la bonne terre qui porte du fruit. Maintenant, regardons le sujet d'aujourd'hui, les secrets du royaume des cieux, les deux types de semences et la moisson. Comme nous le verrons plus tard, dans Matthieu chapitre 13, il est écrit que deux types de semences ont été semées lors du premier avènement. Dans ce cas, à travers l'histoire de la Bible, découvrons pourquoi ces deux types de semences ont été semées et l'histoire de Dieu. Afin de récupérer le monde qu'il avait perdu, Dieu a fait une alliance avec le peuple élu à chaque époque, et parmi eux, il a fait une alliance avec les Israélites physiques, descendants d'Abraham dans l'Ancien Testament. Dans Exode chapitre 19, versets 5 à 6, Lorsque Dieu a conclu une alliance avec les Israélites physiques, il a promis Toute la terre m'appartient, ainsi, si vous écoutez bien ma parole et gardez mon alliance, vous deviendrez un royaume de prêtres et une nation sainte. Cependant, les Israélites physiques n'ont pas gardé leur alliance avec Dieu et ont adoré des dieux païens, péchant ainsi devant Dieu. À ce propos, dans Osée chapitre 6, verset 7 et 1er roi chapitre 11, il est dit que Salomon et le peuple de l'Israël physique ont rompu l'alliance comme Adam et se sont rebellés contre Dieu. Au final, au temps de Salomon, ils ont rompu l'alliance et ont trahi, n'est-ce pas? En conséquence, l'Israël physique a été détruit par les païens. Et à en juger par cela, les descendants d'Abraham n'ont pas non plus cru en Dieu jusqu'à la fin, parce qu'ils sont nés avec les gènes d'Adam, qui a péché, et ont donc de nouveau péché au temps de Salomon. Ainsi, lorsque l'Israël physique a rompu l'alliance et a trahi, Dieu a promis l'avenir à travers les prophètes de l'Ancien Testament. C'est précisément la prophétie de Jérémie 31 à travers le prophète Jérémie. Dans Jérémie chapitre 31 verset 22, Dieu a prophétisé qu'il créerait une chose nouvelle. Alors qu'est-ce que la création d'une chose nouvelle C'est différent de l'alliance faite au temps de Moïse auparavant. Et c'est une chose nouvelle qui consiste à créer un nouveau royaume et un nouveau peuple à travers un nouveau peuple élu, non le peuple élu qui a trahi et qui est né avec les gènes d'Adam qui avait péché dans le passé. Et cela sera accompli et complété dans Apocalypse 21. Alors, quelles sont les deux choses que Dieu a faites pour créer une chose nouvelle il a promis l'ensemencement de deux types de semences et le fait de faire une nouvelle alliance. D'abord, lisons Jérémie chapitre 31, verset 27, pour en savoir plus sur les deux types de semences. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Judas, d'une semence d'homme et d'une semence de bête. Comme la parole que vous avez lue, Dieu a promis que le jour viendrait où la semence de l'homme et la semence de bête seraient semées dans la maison d'Israël et de Juda. Et cette promesse a été prêchée pendant environ 600 ans. Et après cela, Dieu est venu à Jésus et a accompli la prophétie promise. Comme le dit Esaïe chapitre 14 verset 24, Dieu est celui qui réalise les promesses et les accomplit à tout prix. Par conséquent, la prophétie de l'ensemencement faite à travers le prophète Jérémie s'est également accomplie au premier avènement environ 600 ans plus tard. Que se passera-t-il lorsque Dieu qui a promis viendra à Jésus, le pasteur promis de l'Ancien Testament, et l'accomplira Comme prophétisé, il y a l'ensemencement de deux types de semences dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Alors regardons comment la promesse de l'ensemencement de deux types de semences c'est accompli lors du premier avènement à travers Matthieu 13, versets 24 à 30. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. La prophétie de Jérémie 31, 27 s'est accomplie, puisque le bon grain et l'ivraie ont été semés dans un même champ. Puis, au verset 26, nous lisons Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, L'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Puis ils ont demandé, d'où vient donc il y a de l'ivraie? Et le maître leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, Veux-tu que nous allions l'arracher? Lorsqu'on lui a demandé, le maître a dit, Laissez-les, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé, et d'ajouter, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. De cette façon, deux types de semences sont semées dans le même champ et poussent ensemble. Et il est dit qu'au temps de la moisson, il y aura la distinction faite entre ces deux types de semences. La bonne semence est moissonnée vers la grange et l'ivraie est liée en gerbe pour être brûlée. Mais les disciples n'en comprennent pas le sens. Alors, Jésus explique la parabole de l'ensemencement des deux types de semences dans Matthieu 13, versets 37 à 39. Il répondit Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, Jésus, et le champ, c'est le monde. Ce champ est le monde de Jésus, où la bonne semence a été semée. Dans ce cas, ce monde est-il le monde des non-croyants ou est-ce le monde de la chrétienté? Oui, c'est le monde de la chrétienté, n'est-ce pas? Et il dit La bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, et la moisson, c'est la fin du monde. Alors, dirigeants religieux, comme le chant est le monde, et ce monde est le monde de la chrétienté, de quel genre de monde est-ce la fin Oui, c'est ça. Vous pouvez voir que c'est la fin de la chrétienté, c'est-à-dire la fin de l'église traditionnelle. Cela fait 2000 ans que ces semences ont été semées dans la chrétienté. C'est donc précisément l'Église traditionnelle. Puis il dit Les moissonneurs, ce sont les anges, n'est-ce pas En résumé, le champ où les deux types de semences ont été semées est le monde de Jésus, la chrétienté, et dans ces Églises, il y a les fils du royaume des cieux qui sont nés de la bonne semence et les fils du malin qui sont nés de l'ivraie. Et dans les versets 40 à 43, Jésus explique les résultats de ceux qui sont nés de la bonne semence et de ceux qui sont nés de l'ivraie. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Quand il faut être moissonné au temps de la moisson, qui a commis l'iniquité et n'a pas été moissonné? C'est exact. Ce sont ceux qui sont nés de la semence du diable, la semence de l'ivraie. Ce sont ceux qui n'ont pas été moissonnés. Alors, ils seront jetés dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le verset 43 dit, Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les justes sont la bonne semence, née de la semence de Dieu, ceux qui sont moissonnés. Alors permettez-moi de résumer les paroles de Matthieu chapitre 13. 24 à 30, 37 à 39 et 40 à 43 en images. Tout d'abord, puisqu'il est dit que deux types de semences sont semées dans un seul champ, quels sont les deux types de semences Oui, c'est ça. C'est la bonne semence, la semence de Dieu, et l'ivraie, la semence du diable. Et celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme, Jésus, et l'ennemi qui a planté l'ivraie était le diable et le pasteur du diable. Quel est le champ dans lequel les deux types de semences ont été semées? Oui, c'est ça. Le champ était son champ, soit le monde de la chrétienté, n'est-ce pas? Ces deux types de semences pousseront ensemble dans le même champ jusqu'à la moisson. Comme il est dit dans Matthieu chapitre 13, verset 39, que ce temps de la moisson est la fin de la chrétienté, la fin du monde, c'est donc la fin de l'Église traditionnelle corrompue, n'est-ce pas? Ainsi, la distinction entre les fils de Dieu nés de la semence de Dieu et les fils du diable nés de la semence du diable, n'a pas été faite jusqu'à la moisson. Elle est faite seulement quand le temps de la moisson vient. Comment Jésus a-t-il dit que la différence se ferait C'est exact. Au temps de la moisson, les fils de Dieu qui sont nés de la semence de Dieu sont moissonnés vers la grange et deviennent le peuple du royaume des cieux. Et ceux qui sont nés de la semence du diable deviennent les fils du diable et sont liés en gerbe dans leur propre champ, soit dans leur propre église, et sont jugés par le feu. Au temps de la moisson, même si on prétend dire Je suis né de la semence de Dieu, je suis un enfant de Dieu ceux qui sont laissés dans leurs églises sans être moissonnés sont qui C'est cela. Il est dit que ce sont les fils du diable. Est-ce ma propre parole ou est-ce la parole de la Bible? C'est la parole de Matthieu chapitre 13 dans la Bible. Alors, ai-je été moissonné comme promis ou n'ai-je pas été moissonné? Vous devriez y réfléchir et réaliser qu'être moissonné est la preuve que vous êtes un enfant de Dieu. Cela fait 2000 ans que les semences ont été semées. Alors, quelle époque est-ce maintenant Est-il temps de semer la semence ou est-il temps de moissonner Oui, c'est ça. C'est le temps de la moisson, n'est-ce pas Au second avènement, comme promis dans Matthieu chapitre 13, on moissonne ceux qui sont nés de la semence de Dieu. Alors, lisons Apocalypse 14, versets 14 à 16, pour voir comment se passe la moisson. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, Lance ta la faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Il est dit que l'ange a lancé sa faucille sur la terre, et que le beau grain a été moissonné. Les moissonneurs sont les anges et comme promis dans Matthieu 13, Jésus est venu avec les anges et a moissonné les grains mûrs nés de la semence semée au premier avènement, c'est-à-dire ceux qui sont nés de la semence de Dieu. Alors quand les anges moissonnent, qu'est-ce que la faucille, l'outil de la moisson Selon la logique physique aussi, quand on moissonne le grain mûr avec une faucille lors de la moisson, de la même façon, la faucille est l'outil pour moissonner les fidèles qui sont nés de la semence de la parole, soit la parole de Dieu qui évangélise les fidèles. Et elle se réfère également à ceux qui moissonnent avec la parole de Dieu. De cette façon, les fidèles comme du bon grain né de la semence de Dieu et moissonnés sont les 144 000 premiers fruits mûrs de la montagne de Sion, consigné dans Apocalypse 14, versets 1 à 5, et la montagne de Sion où se trouvent ces premiers fruits mûrs, est la réalité de la grange promise dans Matthieu 13. Et dans Apocalypse 14, versets 1 à 5, il est dit que les noms de Dieu et de Jésus étaient écrits sur le front des 144 000 premiers fruits mûrs. Ce sont donc les douze tribus du nouveau royaume et du nouveau peuple scellés par Dieu dans Apocalypse 7. Et puisque Dieu a dressé sa tente sur eux et a dit qu'il serait avec eux, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre, Shin Chan Ji, où Dieu et Jésus et la Ville Sainte Nouvelle Jérusalem. Le royaume des cieux du monde spirituel viendront comme promis dans Apocalypse 21, versets 1 à 4. Par conséquent, la réalité de la montagne de Sion, vers où les fils du royaume des cieux sont moissonnés, est les douze tribus du nouveau royaume et du nouveau peuple de Dieu. C'est l'achèvement de la création d'une nouvelle œuvre promise par Dieu. Réalisant à travers la parole, on voit que Jésus a dit que ceux qui n'ont pas été moissonnés iront dans l'enfer éternel, l'étang de feu, en tant que fils du diable, tandis que ceux qui sont moissonnés seront sauvés en tant que fils de Dieu et demeureront dans le royaume des cieux éternels. Alors lisons ensemble comment Matthieu 8, 11 à 12 parle de ceux qui sont moissonnés et de ceux qui ne sont pas moissonnés. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Comme nous l'avons vu dans Matthieu 8, versets 11 à 12, il est dit que les fils du royaume sont chassés dans les ténèbres du dehors. Ce sont donc les réalités de ceux qui ne sont pas moissonnés, et ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident et sont assis dans le royaume des cieux, deviennent les réalités des moissonnés. Dans Apocalypse 6 et Apocalypse 7, on parle d'eux respectivement, comme l'Église traditionnelle qui est jugée, et comme le nouveau royaume et le nouveau peuple, les douze tribus. Et dans Apocalypse 21, verset 1, cela fait référence respectivement au premier ciel et à la première terre qui sont détruits, et au nouveau ciel et à la nouvelle terre qui sont recréés. En résumé, d'une part, ceux qui n'ont pas été moissonnés, ceux qui sont nés de la semence du diable, sont les fils du royaume, l'Église traditionnelle qui est jugée et le premier ciel et la première terre. Et d'autre part, ceux qui sont moissonnés sont ceux qui sont nés de la semence de Dieu, viennent de l'Orient et de l'Occident et s'assoient dans le royaume des cieux. Les douze tribus du nouveau royaume et du nouveau peuple, ils sont le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ainsi, le but et la volonté de Dieu sont de créer le nouveau royaume et le nouveau peuple, les douze tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shinchenji, en moissonnant et en scellant ceux qui sont nés de la semence de Dieu sur cette terre, comme promis dans Apocalypse 7, 14 et 21. Et le but et la volonté de Dieu sont que Dieu mettra fin à toutes les choses anciennes. Et viendra à son nouveau royaume et son nouveau peuple, les douze tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shinchenji, et règnera. Par conséquent, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse et au temps de la fin, le temps de la moisson, ce que nous devons vérifier aujourd'hui, c'est de savoir qui suis-je selon la Bible et de vérifier si je suis vraiment créé selon la promesse de la bible de plus nous qui vivons dans cette terre devrions nous efforcer sincèrement pour devenir le peuple du royaume des cieux reconnu par dieu en appartenant aux douze tribus du nouveau royaume et du nouveau peuple promises par dieu et jésus né de la semence de dieu moissonné et scellées. Enfin, résumons la parole que nous avons partagée aujourd'hui. Comme l'Israël physique de l'Ancien Testament a péché, Dieu a promis dans Jérémie chapitre 31 qu'il sèmerait deux types de semences et ferait une nouvelle alliance pour la création d'une chose nouvelle. Et au premier avènement de Jésus, la semence de Dieu et la semence du diable, les deux types de semences, ont été semées dans son champ, la chrétienté, et au second avènement, le premier ciel et la première terre ont pris fin, et ceux qui sont nés de la semence de Dieu ont été moissonnés et scellés pour créer douze tribus. Par conséquent, le but et la volonté de Dieu sont de se débarrasser des anciennes choses corrompues et de créer le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu avec ceux nés de la semence de Dieu. C'est le royaume éternel sur lequel Dieu règne qui s'accomplit. C'est donc précisément le but et la volonté de Dieu. Avez-vous bien écouté la parole aujourd'hui? La prochaine fois... La référence principale sera Matthieu chapitre 24 pour la leçon intermédiaire numéro 10, le second avènement du Seigneur et les signes de la fin du monde. À travers Matthieu chapitre 24, où Jésus a parlé des signes des derniers jours, j'espère que ce sera pour vous un moment précieux pour réaliser clairement ce qui se passera dans les derniers jours, c'est-à-dire au second avènement du Seigneur. La personne qui donnera la conférence la prochaine fois sera en mesure de prêcher la parole bien mieux que moi. Nous espérons vous revoir la prochaine fois avec un cœur rempli d'espoir et d'impatience. Enfin, nous terminerons en clamant ⁇ We are one ⁇ dans le sens où nous sommes un en Dieu et en Jésus. Nous transcendons les origines, les nations et les religions et sommes un en Dieu. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier tous ensemble. Dieu notre Père qui est saint, qui est plein d'amour et de grâce, nous vous rendons vraiment grâce et gloire pour votre amour et votre grâce, alors que vous ouvrez et témoignez la parole. De témoignages sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, des conférences en ligne de nouveau saint Nouvelle Terre Shinji à travers le monde. Aujourd'hui, vous avez notamment témoigné de la leçon numéro 9 du niveau intermédiaire, les secrets du royaume des cieux, les deux types de semences et la moisson que tous les croyants doivent connaître. S'il vous plaît, conduisez tous les croyants à avoir un cœur honnête et bon, à être une bonne terre. À être moissonné avec la semence de Dieu et scellé, et à pouvoir venir dans les douze tribus, de Nouveau Ces Nouvelles Terres Shinchenji, le royaume des cieux. Accordez-nous les oreilles pour entendre, les yeux pour voir et le cœur pour réaliser aussi les précieuses paroles du niveau intermédiaire qui seront témoignées à l'avenir, afin que nous puissions tous devenir les précieux croyants qui peuvent persévérer avec la parole jusqu'à la fin et atteindre le royaume des cieux. Nous avons prié toutes ces choses au nom de Jésus en qui nous croyons sincèrement, qui vit et œuvre encore maintenant. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté attentivement jusqu'à la fin. Ils ont demandé quels étaient les signes de la venue du Seigneur et de la fin du monde. Quel est l'autre royaume qui se bat contre le royaume de Dieu Jérusalem. Selon le prophète Daniel, l'abomination de la destruction se tient dans le lieu saint. Qui sont les femmes enceintes et celles qui allaitent Comme il a dit que le ciel et la terre passeront, mais que les paroles de Jésus ne passeront pas, la prophétie de Matthieu chapitre 24 s'accomplira certainement. Quelle est la nourriture donnée au temps convenable Qui est le serviteur fidèle et prudent à qui Jésus a dit qu'il donnerait tous ses biens comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la prochaine fois, la conférence aura lieu autour du thème Le second avènement du Seigneur et les signes de la fin du monde. Ce sera à 10h comme aujourd'hui. J'espère que vous pourrez y assister et que vous et moi pourrons être qualifiés pour entrer au royaume des cieux. Les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Témoignages sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre sont diffusés simultanément en 24 langues à travers le monde via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shinshanji, Église de Jésus. De plus, de nombreux dirigeants religieux et dénominations à travers le monde ont montré un grand intérêt pour la parole à travers le témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance de Dieu, et les conférences sur le niveau introduction. Témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Ils deviennent un avec nous en signant des protocoles d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shinchenji, Église de Jésus. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements concernant Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shinchenji, Église de Jésus et sa doctrine, veuillez contacter le numéro représentant de chaque tribu affiché à l'écran maintenant. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Maintenant, nous allons clôturer cette conférence en ligne de Nouveau-Ciel, Nouvelle-Terre, Shinchenji, en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Je vais prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci sincèrement à tous ceux qui ont été avec nous.